suis Caroline Niquet, directrice de la communication, de l'innovation et de la RSE chez Crédit Agricole Assurance et j'ai participé à la toute première session de EVE en 2010. Ce que j'ai ressenti lors de cette édition du programme EVE, c'est vraiment la conviction et la certitude que les limites sont plutôt en nous-mêmes, plutôt à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Je me suis vraiment dit que ça partait d'un travail personnel intérieur, que c'était vrai pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs, et que notre meilleur ennemi, en tout cas, ou ce qu'il fallait vraiment, ce sur quoi il fallait travailler, c'était des peurs. C'est-à-dire comment je vais au-delà de mes peurs, la peur d'être soi, la peur de ne pas être à la hauteur. Vraiment, c'est cette question de la confiance et de l'authenticité qui vraiment m'ont accompagnée tout au long et continue de m'accompagner sur mon chemin aujourd'hui. J'ai été très touchée par la séquence avec Judith Godrèche qui était venue nous rencontrer tous et qui a parlé de son expérience de femme dans le milieu du cinéma et de sa vision, son ressenti, comment être soi, comment être une femme, comment aller au bout de ses rêves et de ce qu'elle était. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le regard qu'elle porte sur le fait de, quand on est une femme, de pouvoir avoir tout ce qu'on veut. Et pas simplement cantonner dans un compartiment, un silo, et que la vie en fait nous propose véritablement beaucoup d'expériences qui peuvent nous permettre justement de vivre et d'incarner beaucoup de choses différentes. Et notamment, elle pose la question, elle a une petite fille de 5 ans, et elle s'adresse à cette petite fille de 5 ans sur est-ce qu'on peut tout avoir dans la vie. Et je trouve que la réponse est très belle en fait. Voilà ce que répond Judith Godrèche. Si aujourd'hui ma fille de 5 ans me pose la question, je lui répondrai oui. Oui, tu peux tout avoir. Et ce tout peut passer par un chemin plus ou moins long. La route est pleine d'embûches, il fait beau, puis froid. La lumière s'éteint, tu as peur dans le noir et hop, elle se rallume. Il fait beau, tu es couverte de baisers, les yeux grands ouverts. Tu regardes le monde à travers le prisme de ta vérité. Cette vérité, c'est toi, celle que tu es, qui ne peut que gagner, vivre et embrasser le monde. Ce que je peux dire, c'est que le programme EVE m'aura véritablement marqué et que je garde certains morceaux bien choisis au fond de moi.